Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve sur My Hero Academia de son VCRO et on va parler de la mise à jour qu'on a eue aujourd'hui concernant la stamina et les Hero Coins. Ceci ne reste que mon avis. D'accord, je ne vais pas cracher sur le jeu. Déjà, c'est un petit pas. Pas un grand pas, c'est un très petit pas. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne parce que ce qui se passe là sur le jeu, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Sur ce, on va aller voir. Alors, notice. News. Ok. Déjà, ils nous ont donné 200 points de stamina et c'est. Non, 50 points de stamina et 200 Hero Coins supplémentaires pour la compensation de la maintenance. Maintenant, pour le dorm, on est passé à 10. Du coup, on gagne 50. 50 par jour. Ok. Le dorme. 50 par jour. Bon, ça se cherchera qu'on est passé à 50 ici, ce qui revient déjà à 100 au total. Et maintenant, on va aller. Ici, héros supplé. 50 fois 3, 150. De base, on était à. On était à 75, je crois. Ouais, on était à 75. Ils ont doublé. 150. Je passe à 150 de récupération par les, dans les héros supplés. On est passé à 50 dans le dorm. Et 50 dans le. Du coup, 250. Au total, ça c'est réellement un ajout de 150, pas de 250, mais de 150. Ce que j'espérais pour la stamina, réellement, c'est une régène largement plus rapide. Genre, pour moi, le mieux c'est que qu'on soit full stamina, qu'on soit rempli au bout de 6 ou 7 heures et non au lieu de 13 heures, 14 heures, 15 heures, voire parce que réellement. Je vous dis pas que c'est vraiment une galère en tant que free-to-play. Je vais vous dire pourquoi c'est une galère. À partir du niveau 80, il nous faut 1 million de crédits pour améliorer le personnage, pour le break, pour le, on va appeler ça un break limite, pour lui faire gagner 10 niveaux supplémentaires et pour améliorer ses sorts. Après, comme je l'ai dit, ils ont ajouté ces deux modes. Ces deux modes qui nécessitent également des 25 points de stamina. Là, on en a 20. Du coup, 20 fois 25. Je fais le calcul. Je laisse faire le calcul. C'est un peu abusé. Surtout qu'on gagne que 57 000. 57 000 crédits par. Et c'est sur le niveau, sur le plus grand stage, le plus gros niveau où on peut gagner des crédits. C'est pas beaucoup. Ici, on fait, je crois que c'est du 3-3-4. Du coup, 3 pour les soba noodles, pour les nouilles. Pour les taiyaki, c'est 3. Et pour les wagashi, c'est 4. Du niveau 80 à 90. Je crois qu'il faut une centaine au total, 150, entre 100 et 120, si je dis pas de bêtises. Waouh, 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 énorme changement. On applaudit fort, on applaudit fort. Ah, c'est Japan et Crunchyroll. Ah non, excusez-moi, on applaudit fort Sony, vu que c'est développé par Sony. Oh là là, les gars, si vous dites que c'est suffisant, j'aurais compris qu'ils nous donnent 200, qu'ils nous donnent 250 au total, avec une, si ils auraient amélioré la régène et qu'ils n'auraient pas mis de limite sur la stamina, parce que là c'est full. Ce qui fait qu'on ne peut pas récupérer la stamina avec les free-end, si c'est full. Parce qu'il y a plein d'autres jeux où on peut récupérer la stamina, même si. Le nombre maximum de stamina est rempli.
Là, malheureusement, c'est rempli, on ne peut pas récupérer. Et ce qui fait qu'on est encore plus limité sur ce petit truc. Voilà, c'est juste mon avis. Je trouve que c'est pas du tout suffisant comme mise à jour. Et c'est dommage. Maintenant, on va parler des HeroCoins. Bon, là, les HeroCoins, c'est vraiment du gros, gros foutage de gueule. Plus 30 points. Quoi? Plus quoi? Plus 30 HeroCoins. Ce qui revient à 80, 80 x 7, 560, 500 x 560 x 4 revient à 2240. On n'oublie pas que les portails sont toujours sur une pitié de 100. Du coup, 10 multi où le perso est garanti. Et hier, je vous ai montré que dans une vidéo où quelqu'un est parti sur la multi 200, a eu un bug et n'a pas eu son perso, alors qu'il était à 100%. Ok. Il y a encore pas mal de bugs à régler. Le bug concernant le Night Ops où on quitte avant pour récupérer pour ne pas utiliser la stamina est toujours présent. L'ajustement du. Ils ont dit que quoi? L'ajustement. Que le fait que. Qui. Des chips 4 étoiles a été ajouté. Sur le dernier niveau du Night Ops. Moi. Ok. Ok, d'accord. Si vous dites que cette mise à jour vous a plu concernant les Hero Coins, c'est que vous êtes vraiment très bizarre. Et bon, après, faites ce que vous voulez, les gars. Mais pour moi, c'est pas du tout suffisant. Ok. Maintenant, j'attendais au minimum, en fait, 150 HeroCoins par jour. Parce que, ok, si réellement, si on était à 150 HeroCoins par jour, ça reviendrait. Alors, ça reviendrait à 4050. 4050, 4200 par mois. Et réellement, 4000. Ça aurait été plus probable. Là, je viens d'actualiser YouTube. Si tu publies la vidéo, le plus gros foutage de gueule, même si tu nous dis. Si tu crées RT derrière, tu dis que le jeu va couler petit à petit. Vous voyez bien que je ne suis pas le seul à dire que le jeu commence à crever. Les gars, les amis, s'il vous plaît, arrêtez de fermer les yeux. Les autres youtubeurs sont en train de me rabaisser parce que je dis n'importe quoi. Les gars, arrêtez-vous un peu. Les stamina qui sont à des prix exhibitoires. Super cher, la pitié qui est à 100 pour un taux drop 1,2. Limite, on n'aurait rien dit s'il était à 1,5 ou à 2, mais le taux drop il est à 1,2%. La stamina qui est limitée, qu'on ne peut pas récupérer quand elle est full. Les gars, réveillez-vous un minimum, s'il vous plaît. C'est quoi ça, 30 euros coin supplémentaires par jour? On est à 80. N'oubliez pas qu'il nous faut 25 000 HeroCoins pour aller jusqu'à la pitié. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut vous montrer pour dire que le jeu est en train de se foutre de nous? Un moment, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà, c'est. C'est même pas un coup de gueule, c'est même pas une critique, c'est là c'est ce que vous voulez qu'on dise de plus. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ciao, peace, prenez bien soin de vous. Et à la prochaine.